gens, c'est DragSurvie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un peu particulière. Aujourd'hui, on se retrouve sur la saison 7 de Fortnite. J'espère que tout va bien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. À rejoindre le Discord si ça vous intéresse. Discord DragSurvie qui est en lien de description juste en dessous. Si vous voulez aussi me rejoindre sur mes lives Twitch tous les jours maintenant, à part quand ça va pas, et vu que je ne sais pas si la vidéo sortira, parce que depuis hier on peut dire que mon PC fait de la merde, soit il se coupe, soit voilà, je sais pas trop ce qui lui arrive dans sa tête, dans ses processeurs de PC, donc je sais pas si cette vidéo sortira. Je vous fais cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Donc on va aller en Fordham Point. Fordham Point qui a changé entre temps, parce que pendant le live, le Fordham Point était correct. Sauf que là, le Fordham Point, depuis hier soir, il y a la zone qui est un peu plus rapprochée de l'île. Et ça nous laisse peu de temps en fait, temps d'atterrir, temps de récupérer des armes. Ça nous laisse vraiment peu de temps. Donc c'est vraiment du speedrun et après bon ça redevient la normale, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Alors pour ceux et celles qui ont remarqué en live, j'ai changé d'emplacement, donc maintenant vous allez voir un peu plus. Par contre, alors attendez, par contre, toc, donc là je vais me mettre là maintenant, donc comme ça, donc on se retrouve là comme ça. Alors oui, alors j'ai changé d'emplacement, comme ça, à la place de tourner quand je suis en live, pour ceux qui me suivent sur Twitter, sur Twitch, je suis en temps normal de l'autre côté et j'avais la tête comme ça, je l'avais expliqué en live. Le truc c'est que j'en ai plus envie de regarder à gauche et à droite, donc je me suis mis droit, comme ça, bon, voilà. Et comme ça, je peux regarder en même temps le PC. Je suis droit et comme ça, vous pouvez me voir correctement et sans problème. Alors bien sûr, il y aura toujours 2-3 trucs. Vous voyez, bon, à droite et à gauche, bon, c'est pas trop décoré. Mais normalement, je vais rajouter un fond vert. Normalement, voilà, vous aurez pu ça derrière. Donc je sais pas pour le moment. Alors dites-moi en commentaire si vous préférez que la caméra soit en haut juste ici, donc étape 1 ici, ou étape 2 juste ici. Mais le truc c'est que en haut là, je crois bien qu'il y a la map juste ici. Donc dites-moi soit 1 ici ou 2 ici. D'accord? Alors ici ou là, hein, après je me réglerai un minimum. Après ça dépendra des jeux bien sûr, mais pour Fortnite dites-moi si vous voulez, parce que je marque tout maintenant sur un carnet pour être exact quand je commence un live ou une vidéo qui sera un peu plus correcte. Donc je vais me mettre là pour le moment parce que je sais que normalement juste en haut à droite il y a la map. Donc voilà, c'est parti, donc on va rester en Fordham Point, je vais vous montrer un peu. Donc je suis déjà niveau 27, il y en a qui sont déjà niveau 100, hein. Les compères youtubeurs, ils ont, voilà, ils payent leur machin. Mais moi je préfère, clairement pour moi Fortnite, si vous commencez pas de zéro au minimum, voire de vous acheter 25 paliers, moi je trouve que c'est pas profitable en fait, parce que vu qu'il y a les quêtes, les machins, les trucs, les bidules, moi je trouve que faut quand même trouver les quêtes. Parce que bon, maintenant les 4 bleus, j'ai fini mes 4 bleus, je vais vous montrer. J'ai fini mes 4 bleus, comme vous le voyez, j'ai plus que... Si, j'ai encore une quête bleue, remercier le chauffeur, accomplir des quêtes rares. Bon bah là, c'est des quêtes rares. Et les quêtes vertes, mais bon là, je peux pas faire autrement. C'est extorquer des adversaires, mais faut être à plusieurs. Et là, apparemment, la section est correcte. Donc je sais pas, je pense que ça doit être un peu buggé dans certaines sections. Ou c'était en mise à jour ou en je sais pas. Et non, c'est toujours la même chose. Comme vous le voyez, c'est toujours la même chose, on sait pas. Alors je sais pas, est-ce que c'est normal ou pas? Dites-le moi en commentaire, mais pour le moment, moi je sais pas. C'est un peu dérangeant parce que déjà quand on saute, déjà on a que 12 minutes. Et en plus de ça, je crois bien que le temps est retiré, temps d'arriver sur la zone. Je crois bien que c'est... normalement, on avait un minimum de temps. Voilà, donc là, on a directement la fumée.
Et comme vous le voyez, on n'a pas atterri pour le moment. Alors c'est un peu dommage. Je pense qu'ils essayent de faire des nouvelles choses. Sauf que là, c'est vrai que on a peu de temps. Voilà, je suis déjà dans la zone, moi, j'ai même pas. Voilà, on est déjà avec des armes vertes. Bon, on a déjà des armes, c'est déjà plutôt pas mal. J'espère que ça laguera pas trop à la vidéo, parce que je sais que en ce moment c'est pas très ça. Toc. Alors on va faire une petite game. Hein. Alors il y a plein de nouvelles choses. Il y a plein de... ça par contre c'est toujours autant bugué. Il y a plein de nouvelles choses. Nous avons donc maintenant des... Oh par contre ça bug, c'est chiant. Puis hier depuis la mise à jour Fortnite, à chaque fois qu'ils font une nouveauté, à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, quoi que ce soit, à chaque fois faut que ça bug. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà pas beaucoup d'armes, donc déjà des armes peu recommandables. Mais c'est vrai que là, je sais pas, peut-être qu'ils essayent de faire peut-être une mise à jour qui a du bug et puis ils sont en train de régler ça, mais c'est vrai que là on n'a pas beaucoup de temps. Alors bon, en temps normal on a déjà pas beaucoup de temps. Bon, ça va qu'en solo et en duo, en solo ça va. Mais c'est vrai que là, par exemple, on a vraiment peu de temps. Ouais, j'ai récupéré ce qu'il fallait un minimum. Le truc c'est qu'il faut être au minimum au plus près de la bulle, comme ça vous avez un minimum de temps. C'est vrai que là j'avais quoi, j'étais à ça de la zone. Voilà, c'était peu recommandable. Et là le truc c'est que là c'est des zones assez... Voilà, comme vous le voyez, j'ai peu de balles, j'ai peu de machin. Bon, ça va avec les balles, voilà. Mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Alors là, ces cailloux-là, vous pouvez les prendre au vaisseau. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a pas mal de choses qu'on peut prendre avec les soucoupes qu'on fait. Dès que les cailloux sont hors de terre, les véhicules, les machins... Bon après, en Fordon Point, choper quelqu'un au laser, c'est pas très utile, parce que vu qu'on est en Fordon Point et le truc c'est qu'il y en a, ils ont eu de la chance. Voilà, je me cut. Essayer de choper, là. Et à moi celui-là. Allez. Il y a pas mal de petits coffres comme ça là. Le truc c'est que j'ai l'impression que... Bon, je pense que vu qu'elle vient de sortir la saison, je pense qu'il y a encore 2-3 petits bugs à droite à gauche. Mais c'est vrai qu'elle est pas mal. Je trouve qu'elle est pas mal. Moi, déjà j'ai pris la... J'ai pris le pack pour avoir Superman, parce que je suis un grand fan de Superman. C'est vrai que je vous montrerai un peu agent secret, ravitaillement, popo, réussir à éliminer au sniper. Obtenir un fusil sniper. Ouais, là c'est complètement débile ton truc. Elle est conne ta quête. Hein. Ah, des différents peut-être. Ou pas, tu vois. Ah putain, ça bug. Et vous pouvez aussi, alors pour ceux qui ont remarqué, maintenant vous pouvez ouvrir des caisses comme ça avec des pièces mécaniques pour améliorer. Alors maintenant c'est plus primitif, donc vous pouvez directement, et ça c'est plutôt cool. Moi je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir
Oh putain, sans déconner. On peut pas les péter ça. Or il n'y a plus les raptors. Un point à un moment donné. Alors j'espère que ça buggera pas trop. Ah puis c'est pareil. Nous avons les glitchers ou les tricheurs qui sont de retour, hein, bien sûr. Je dis ça pas pour tout le monde, hein, bien sûr, hein, parce que j'ai eu l'occasion de me retrouver contre un gars où j'étais planqué derrière une porte. Il savait que j'étais là parce que je lui tirais dessus. Sauf que j'ai fermé la porte et quand j'ai fermé la porte, la balle a fait chut. Elle a fait fut sur ma gueule. Donc je savais qu'il avait triché. Mais voilà, je n'ai pas pris la peine de le ban parce que le truc c'est qu'en Ford Endpoint, on sait pas vraiment si c'est vraiment un bug, si c'est un truc ou quoi que ce soit. Mais ah non, j'étais pas en qu'est-ce que je raconte, j'étais pas en Ford Empire, j'étais en solo. Et le truc c'est que voilà, c'est chiant. Putain, j'ai pris des dégâts quoi à cause de ce chien de merde. Attendez, je lui ai fait du 20 de dégâts, c'est quoi cette connerie? Alors c'est pareil, vos pompes, Fortnite, putain, réglez. Réglez vos pompes, parce que ces pompes-là, là, les pompes à levier, c'est 15 km, ils te font des 50 de dégâts. Toi, t'es de l'autre côté, t'arrives même pas à leur faire des dégâts. Alors ça suffit à un moment donné. Oh, par contre, ça c'est un truc qui me... Bah oui, bah voilà. Ça c'est un truc qui est plutôt pas mal quand vous avez un vaisseau. Mais en Ford Endpoint c'est pas la meilleure chose. Donc le truc c'est... Voilà, alors c'est pareil. Alors on me dit pompe, vous me dites pompe. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oh le pompe, il n'y a pas besoin de viser. Vous avez juste à viser, automatiquement, il visera tout seul. Pour le moment, je n'ai jamais vu un seul pompe que j'ai eu, hein, que j'ai eu moi de ma... Et puis vas-y, hein. C'est pareil, alors là, les campeurs professionnels, ça faisait un moment qu'on les avait pas vus. Hein. Ah la saison là, elle va être là. Allez hop. Je crois que je l'avais déjà là. Ah fallait peut-être lui demander hein. Le truc c'est que je bug. C'est incroyable comment les gens. Alors je me mets loin et je sniper. Et vous allez me dire si vous avez. Alors c'est pas. Je vais pas camper, je vais me mettre sur un arbre. Je vais pas tirer, hein. Je vais pas tirer parce que je sais que. À part s'il y en a un qui a décidé de me suivre comme une. Comme un jeu. Vous avez remarqué l'erreur sur mon écran là? Est-ce que vous l'avez remarqué? Oui, je n'ai plus mes armes. Je ne vois plus mes armes. Donc clairement, si j'avais un souci ou quoi que ce soit. Donc
voilà, ça a l'air d'aller, ça bug pas trop. Ah si, ça bug. Ça bug énormément, je trouve, moi. Pour une nouvelle saison, c'est un peu comme d'habitude. Et le truc, c'est qu'ils savent pas sur qui ils tirent, en fait. Oh, ce sniper est complètement pété, clairement. Mais je trouve que moi, pour des premières games... Ouais. Les dernières saisons de Ford and Point, ça allait, mais là, ça y est, on a retrouvé nos constructeurs de l'extrême. Je vais peut-être vous baisser un peu le son. Moi, je suis mort. De toute façon, je visais pas non plus quelqu'un en particulier, mais le truc, c'est que là... le truc, c'est que ce laser-là, ce sniper-là, c'est un peu du genre du cheat. Sans être du cheat, parce que... Putain! Oh, A2 là, comme ça. Ouais, bon, de toute façon, ils ont gagné, mais. De toute façon, moi, le Ford and Point, j'ai déjà fait mon top 1. Donc, j'en ai rien à secouer. Le Ford and Point, c'est vraiment pour les quêtes. Les quêtes, voilà. Les dernières quêtes. J'ai plus de quêtes principalement. Donc, c'est vraiment pour monter de niveau. Mais. 100 XP double, machin, là c'est voilà, c'est un peu compliqué d'XP. Moi ça me fait rire les personnes qui sont déjà niveau des bananes. Ouais bah voilà, ouais non mais ça campe. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous... Bah tiens, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Donc premier commentaire, ce que je veux voir, c'est où voulez-vous que je mette ma caméra. Parce que tout le monde fait, je vais remettre ma caméra pendant mes vidéos. Il y aura une vidéo tous les jours normalement, si j'arrive à en faire. Ou sinon ça sera une tous les deux jours. Les lives, il y en aura tous les jours. À part si voilà, s'il arrive quoi que ce soit. Je sais pas si vous l'entendez ou ça bug au niveau de la caméra ou quoi que ce soit. Mais normalement, si... alors, je suis déjà réglé hein, d'une façon que normalement ça devrait pas bug. Mais avec l'orage, tout ça, le PC est assez vieux comme je le disais il y a quelques temps. Le truc c'est que je ne suis pas sûr et certain de pouvoir faire quelque chose de correct. Donc, je sais même pas si ce soir je vais pouvoir live avec notre cher temps qui est en ce moment. J'espère que voilà. Donc, pour les commentaires, donc pour ceux qui ne sont pas, abonnez-vous. Si vous voulez rejoindre les communautés Drag Survie du Dragon, donc n'hésitez pas à vous abonner, de faire le nécessaire. Si vous voulez aussi rejoindre le serveur Discord, donc serveur Drag Survie, qui est en lien de description, qui est juste en dessous, normalement, à chaque fois que je remets. Normalement, bon, je sais pas s'il s'affichera aussi à l'écran, mais je verrai. Je vous ferai peut-être quelque chose. Et dites-moi aussi si vous voulez que je mette ma caméra là, ou la caméra au-dessus, en haut, voilà, de l'autre côté, de ce côté-là, en haut. Et dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette saison, si vous l'appréciez, comment vous voyez la suite, si vous voyez que la saison est un peu buggée, si voilà. Il y a beaucoup de si dans cette session, je trouve, mais dites-moi en commentaire si vous voyez... parce que clairement, moi je vois pas vraiment où est pu... parce que clairement on sait pas du tout où est passé... l'orbe, hein. On sait toujours pas où est passé l'orbe. C'est vrai que la tour a explosé, on n'a plus de brins, on n'a plus de feuilles d'automne,
tout a disparu. Alors bon, les zones où les morceaux de la tour, comme je disais en live, ont explosé, on sait qu'ils sont un peu dispersés, un peu à gauche, à droite, ça fait du violet, c'est vrai que ça fait un peu, ça change un peu de couleur, mais il manque un truc, je sais pas, il manque, j'ai l'impression qu'il manque un truc, on dirait qu'on va se battre pour autre chose, ou on va avoir le droit au cube, parce que beaucoup de vidéos sont posées sur le cube et sur cette sphère, donc notre cher, cher globe, qui, bah, tout compte fait, ont disparu, a disparu clairement. On sait pas s'il a été aspiré, alors moi je sais pas s'il a été aspiré parce que c'est pas. Voilà, on sait pas trop. Moi je sais pas trop comment va se dérouler la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je suis plutôt content. Il va y avoir mon super héros préféré, et ça, je ne vous le cache pas que ça va être cool. Ça va être cool parce que clairement, ils l'ont fait, mais de façon. Voilà. Passez une bonne soirée, merci encore, et on se dit à la prochaine les gens, c'est Drax Survie, et peace les gens, passez une bonne soirée. Tchuss.